bien content que Metro Express est une réalité et une fierté nationale. Nous avons réussi une véritable histoire parce que nous avons complété les trois phases de métro à temps et dans le budget qui s'est prévu malgré Covid, malgré la guerre, malgré toutes les difficultés que tout ce que nous connaissons, nous ne pouvons pas besoin de redire que nous et le monde nous a fait face. Et nous tenons encore une fois à remercier le gouvernement indien et surtout le premier ministre finalement Luigi qui fait accord à l'île Maurice, à la République, tout le soutien nécessaire. Il y a en termes de financement, d'un tribunal et l'expertise qui nous utilisent. Et bien sûr, pour nous exprimer notre gratitude envers l'Inde et compte tenu de ma relation privilégiée entre nos deux pays, le film donne le nom de Mahatma Gandhi à la station de Réduit qui nous fait inaugurer aujourd'hui dans le cadre aussi des célébrations de 75 ans d'indépendance de l'Inde et sa longue amitié qui finit exister entre les deux pays en relation comme Sri Narendra Modi qui nous toujours dit c'est un super special relationship. Nous connaissons Mahatma Gandhi, qui est écologiste en 1901, et qui sensibilise la population. L'indépendance et surtout l'éducation. Et la station de Mahatma Gandhi, qui vous permet de rappeler ce combat et ce même enseignement. Nous faisons toujours croire qu'il y a un système de transport moderne qui amène non seulement le développement économique, mais il aussi amène justice sociale. C'est pourquoi nous pouvons continuer à investir pour amener le métro express vers les autres régions. Là, il y a phase 4, donc nous pouvons continuer étant mis à l'avenir de Cotonou, par le à Toto, par le à l'Est, à partir de Kirpit, voire vers le sud, et à partir de Pondu, par vers le nord, et bien sûr, on va aussi vers l'ouest. Et moi, je veux toujours dire, l'Ibiza couvert par le village, pareil comme on a couvert la ville, nous visions, nos philosophies, ce qui Maurice nous a développé dans toute son entité, à tous les niveaux, que ce soit la ville ou par le village. C'est pourquoi on travaille dans un master plan pour ma extension qui continue. Et déjà, la phase 4 de métro est préparée, du coup, nous sommes aussi donc le Réduit, nous allons vers Saint-Pierre, nous allons vers Côte d'Or. Et pour cette extension-là, encore une fois, nous exprimons nos gratitudes envers l'Inde pour qu'ils aient de nous le financement nécessaire. Le métro express, donc une des Algéries qui est pour le colonne vertébrale de l'île Maurice. Et là, beaucoup de voyageurs, beaucoup de Mauriciens qui essaient du métro dans la joie et avec fierté. Et pour terminer, je suis content de dire qu'en tout cas, moi, comme premier ministre et mon collègue ministre, PPS, et mon député, ensemble avec les autres partenaires qui nous travaillent, et comment dire, malgré la situation extrêmement difficile que nous connaissons, nous déterminer pour qu'il non seulement ait un gros projet d'infrastructure, mais qu'il nous ait que chaque coin du pays nous continue à développer l'infrastructure. Parce que dans l'infrastructure, du coup, aussi améliore la qualité de la vie de nos populations.